Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très contente de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo tuto. En fait j'ai acheté ce petit téléphone d'occasion sur le Bon Coin pour la petite et du coup voilà, je me retrouve bloquée avec un code parental. J'ai recontacté la personne, malheureusement elle m'a dit qu'elle se souvenait plus de son code. Donc voilà, je vous montre quand je vais sur le contrôle parental pour modifier le temps d'utilisation de l'appareil ou accès internet, wifi ou n'importe quel paramètre. Je me retrouve avec un écran comme ça. Donc j'ai tout essayé, je n'ai pas pu réussir à débloquer le code. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre ce problème. Alors là, vous avez accès à tous les jeux sur cet appareil, les jeux, la musique, les photos, tout, sauf les paramètres. Donc vous ne pouvez pas modifier aucun paramètre, ni heure, rien du tout. Donc je vais vous montrer la manipulation à faire pour enlever le code parental pour accéder aux paramètres. Qu'on va faire cette manip est valable que sur ce type de d'appareil, c'est Kidicom Advance 3.0, c'est le tout dernier. Donc du coup je l'ai acheté pour la petite pour Noël, donc j'essaye de me débrouiller avant Noël. Voilà, donc pour commencer, donc je répète, cette manip est valable que sur ce modèle là. Donc pour commencer, on va éteindre complètement l'appareil. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va appuyer sur simultanément sur le bouton moins du volume et les boutons d'allumage, le bouton arrêt et marche. On va appuyer simultanément au même temps. Je vais faire avec les deux mains. Et au moment où l'appareil s'allume et qu'on se retrouve sur un écran blanc écrit VTech dessus, on va relâcher juste le bouton on-off. Donc je répète, on va appuyer simultanément sur les deux boutons, le power et le volume moins. Et au moment où l'écran s'allume avec le logo VTech, on va lâcher juste le bouton on et off. Donc je vais faire ça avec vous. On va voir si cette manip va fonctionner ou pas. Donc on va faire en même temps. Hop. Et là, je vais relâcher juste ça. Et je garde le volume moins appuyé. Et voilà. C'est top. Franchement, je suis très contente. Voulez-vous vraiment réinitialiser Kidicom aux paramètres d'usine? Tous les données et tous les réglages seront supprimés. On va réinitialiser parce que moi, c'est obligé. Et donc, je crois que l'appareil va démarrer à zéro. Voilà. Là, il va réinitialiser tout de zéro. Des paramètres d'usine, donc il y aura plus de code, plus de photos, rien de tout, c'est comme neuf. Donc ça m'arrange. En fait, je l'ai acheté pour la petite et je peux pas l'offrir comme ça, il est bloqué quoi. Si vous avez oublié un code, si vous avez si l'appareil ne s'allume plus, c'est valable aussi pour cette manip. Bon, je vais essayer d'avancer la vidéo parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà, bienvenue, démarrage du Kidicom. Voilà. À zéro, vous pouvez modifier le temps,
l'heure, tout, tout. Franchement, c'est nickel. Donc voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a aidé surtout, parce que j'ai galéré à trouver. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Ciao, ciao.